La couleur. Ça, c'est un Dorado Corifène. Il est magnifique, ça, monsieur Candel. Mais ouais, tu vois, combien de kilos il y a, ça, hein? 6 kilos. 6 kilos. Ah, mais bien alors, bon, d'accord. Ça, les pêche comme ça, là, à Réunion. Oui, au port. Au port. C'est indien, là, même dans la zone néo. Ah, d'accord, alors. Mais bon. Merci bien, alors. On a fait un bon. Au Québec, si. Ça fait un civet, un carré. Comment ça fait? Il va de bien, la vie, hein? Oui, ben à où? À où, merci, parce que c'est où mettre le poisson rayonnaise. C'est ça que tu passes au pays, ouais. Ouais. Mettre ça en valeur. Continue, on compte sur vous. D'accord, les bons. Ok. Bonjour à tous, en tout cas merci encore d'être sur Canal Austral. Vous avez remarqué, vous êtes sur Canal Austral, bien sûr, hein, cette chaîne de télé qui fait plaisir à beaucoup de monde, bien sûr, parce que c'est une chaîne de télé qui est, ben, qui est normale, qui est naturelle, qui fait penser à un petit peu de la vie de tous les jours sans filtre et sans cache. Voilà, hein, exactement. Aujourd'hui encore, ben, on l'a vu, ne pas tirer jeter un poisson. Oui, chez Idam, Idam Poissonnerie et à Cambuston, Saint-André, là, hein, français plutôt, hein, une dorade corifène. Alors, ce dorade corifène a plus de 6 kilos, et il fait au moins 1 mètre de hauteur, et donc, du coup, c'est Toto qui va cuisiner, parce que Toto vient de m'appeler en me disant comme ça, un dorade comme ça, il faut se faire ça en sauce créole, donc il va faire ça en sauce créole. Et après, bon, on connaît les coutumes ici, chez nous, parce que nous mangeons beaucoup de cabri, hein, ils aiment ça, et puis tout le monde y veut l'inviter, il aime ça. Ou inviter un monde, comme ça, il veut manger, donc comme ça, il veut manger ma salée cabri. Donc, Toto va refaire ma salée cabri aujourd'hui. On aura quelques invités, mais pas beaucoup, hein. Jean-Pierre, Régis, Ramsamy, et Régis Location, hein, avec qui on peut louer une voiture, hein, ben Régis sera là avec d'autres personnes. Nous ne serons pas nombreux, mais en tout cas, bonne petite émission de cuisine aujourd'hui, ben, comme d'habitude, hein. Nous retrouvons dans un instant et après nous commence cette émission de cuisine-là pour un bon petit carré dorade corifène, puis un massalé cabri, mais massalé cabri, tu connais déjà, hein. Allez, tout de suite. On commence tout de suite alors, dès qu'il arrive, ne perds pas les temps, hein. Il marche pile, il vaut mieux de briquer. Ouvrez la main, hein. Bon, massalé cabri comme l'a dit, on attaque tout de suite une massalé cabri et l'odorat d'un instant, hein. Bon, ah, mais quand il est là, comment ça, mais quand il est arrivé, bah, écoute, Béatel là. Béatel là, il n'y a plus à mettre la viande, il n'y a plus le droit. Il n'y a plus le droit à mettre la viande. Ah, hein. Fin cassé, un peu. Il y a un peu bread, là. Il y a un peu bread, mouroum. Mouroum, ben. Et ce n'est pas vendredi ça, là. Non, ben. Et vous l'amène sardine aussi. Sardine là, on peut pas se matier ça. Hein. Dernières élections, la région. C'est un peu d'or. Mais où ça passe tout le temps pour nettoyer Brel là, parce que Brel médaille là. D'après la quantité de monde. Ben. Où ça fait un petit Brel de Mouroum avec sardine. Ben, voilà. Mais ça, c'est la fille mange quand elle a le mort, ça. Ah non. Ah non. C'est quand le qui ou le poilazon. Quand le qui ou le poilazon. Oui, d'accord. Ben. Ah bon, mais même les boîtes sardines, comme là, longtemps, c'était moins d'un euro. Voilà, voilà. Comme là, le prix des boîtes sardines. Il faut travailler pour gagner ça. Hein? Ah oui, il dépasse le 1 euro, lui, me croit. Ah, il dépasse maintenant. Ben. Il dépasse. Mais il n'est pas dans le bouclier qualité-prix, lui, le boîte sardine, là. En plus, ça de monument, t'es mon bon. On peut le vendredi, ouais. La réunion. Si le boîte sardine est dans le bouclier qualité-prix, là, il veut dire que son prix ne doit pas augmenter. Ben oui. Mais malgré. Non, mais pas ça, dedans. Elle n'est pas dedans. Trois paillides. Les bons là. Toto, il fait revenir son cabri tout de suite. Il ne perd pas le temps. Hein? Toto, on fait revenir aller tout de suite. Là, à Kéla, on va mettre un petit poil là, juste pour faire revenir un petit peu le silon. Hein? Et le fleur, j'ai pas aussi ça, non? Le bon fleur, on se met dedans. Ben. Hein? Parce que et c'est, puis c'est fruit. Ouais. C'est bien le bon goût aussi, hein, le fleur. Hein? Ben. Et ça, il a toute vertu, ça, le mouroum là. Ben. De son nom scientifique, Mouronga. Mouronga, hein? Ouais. Sorte l'Enza. Ah, sorte l'Enza. Là, on va y le monde après. Mais oui, voilà. C'est les. Quelqu'un qui a ramené ça un petit peu partout et en premier dans les pays d'Afrique, c'est les Anglais. Les militaires anglais. Les militaires, la transportent, les graines partout. Et juste, nous finit déjà à la télé, mais nous redis un petit coup. On rappelle que le Brad Mouroum, là, quand il charge, il donne des bâtons, les bâtons Mouroum. Bâtons, oui. Hein, et les bâtons Mouroum, là, les militaires anglais, là, hein, quand on a vu ça, là, et les militaires anglais, là, avaient des tambourins avec eux autres. Oui, hein, oui. Des gens qui jouaient tambour au devant.
Tu serves baguette? Oui, non, tu appelles. Ben, pas ça, pied mouroum, je ne te connais pas. Oui, oui. Hein, tu appelles ça les stick tambourine. Stick en anglais, c'est bâton. Tambourine, c'est tambour. C'est des bâtons de tambour. D'accord. Ah, voilà, le pied, tu appelles ça un bâton de tambour. Voilà. Bâton de tambour. Et puis, je la ramène ça en Afrique. Oui. Dans des orphelinats, et surtout chez des grandes. Où ça, les nains, beaucoup de bonnes soeurs, là. Hein? Oui. Hein? Et je la plante ça, et ça, il pousse vite, ça. Ça, il pousse vite, ça. 6 mois, il prend 6 mois pour gagner 1,50 m. Oui. Et donc, comme les feuilles, ils mangent, donc ils luttent contre la pauvreté. Et ensuite, ils luttent aussi contre une maladie qu'on ne connaît peut-être pas. Longtemps, on avait beaucoup ça, ils appellent la méningite. Méningite, oui. Hein? Et oui, donc, oui. Ça, c'est vraiment une plante pour lutter contre la méningite. Et comme en Afrique, il y avait beaucoup de méningite, donc du coup, il était un bon médicament. Ouais. Comme quoi, pour la vie. Hein? Mais les vertus, après qu'on dit bois de mouroum, là, tout le monde y en parle. Il dit bois de mouroum, les bois, il fait dormir, il nettoie et ouais, tout. Ouais. Mais il apaise aussi. Il apaise. Aussi, il paraît quand on fait un petit aller bois de mouroum de 3 pieds, ouais. Ça il casse un peu les zones négatives. Et toute créole, il devait avoir un pied bois de mouroum dans son cours. Exactement comme toutes les Indiens dans l'Aisne, en le sud, on a un pied bois de mouroum dans son cours. À Mayotte aussi, les gens ont un pied bois de mouroum dans son cours. Oui. Maurice aussi, tout le monde a un pied bois de mouroum dans son cours. Oui, oui. Hein? Voilà. Et ça, il plante du côté portail, ça. Oui, à l'entrée. Oui, on voit comme ça la mauvaise âme. Ça, il coupe toutes tes mauvaises zones. Ben, reste ça le bas. Mais bon. Bon, ça va, Toto, malheur, hein, Toto. Ben là, autant de pilotes si long. Hein, parce que vous l'avez fait torifier un petit peu de si long à là. Mm-hmm. Et après, ça vous fait massaler. C'est bon ouais. Et après, vous l'avez vu le gros poisson dans là-dedans. Hein. Un talent qui va aller alors. Hein ouais. Ben, allez, bon. Bon, ben, le massalé, nous, ça va doucement, doucement, parce que tout le monde connaît un massalé. Oui, hein. Ça a fait la peine de. Monter parce que tout le monde ici connaît ses points. Ouais. Hein? Mais arrivez-vous de faire un massalé différemment des fois de temps en temps? Non. Tout le temps pareil. Ah, de toute manière, où l'aîné, manière, il faut suivre la manière comme on l'aîné. Ah ben oui. Après, sous ça. Ça n'a pas inventé. Sous ça, casse les clous, ça. Et soi-disant, comme l'aîné, il peut revisiter, il fait ceci, il fait cela, mais c'est un problème avec ça. Ah, moi non, il reste toujours pareil. Hein. Ben allez, bon, alors, ok, ah. Ben lui revient tout à l'heure alors. C'est vrai quand par exemple il arrive à vous faites l'accident, ben, je vais mettre un autre homme mais en plastique. Ouais. Mais dans les carrés, il n'y a plus de dire. Dans les carrés, il n'y a plus de dire. Mais bon, il ne change pas l'original. Ah, non. Hein. Mais même si on a un homme en plastique, ou reste ou même, hein, non? Oui. Hein, la personne ne change pas lui, hein, fondamentalement. Oui, hein? mais seulement, elle en fait attendre. Ah oui, mais bon. Ça va, il avance. Ça va, encore, je connais. Manger pour l'hôpital, là, il faut le temps pour faire cuisson. Ça mange l'hôpital. Ça mange l'hôpital. Mais le bon bras de mouroum, vous l'avez gagné. C'est la route Tamarin? Non, c'est de la cale. Mais le pied mouroum, là, ma coupe, elle est. Ouais. Au final, il gosse au bar, là. Ah bon? Là, les pour boisonner tout. Ouais. Là, les bons mots le fait. Ouais. Mais maintenant, le cheese après. Le bon bois de tambour. Le bon bois de tambour. Hein? Bâton mouroum. Bâton mouroum. Mais ça. Ben, les bons rôles. OK. Malo, comment ça va? Bonjour, vous allez bien? Ça va, il faut pas oublier de t'habiller. Non. Oubliez pas qu'on a réussi tout à l'heure. Qu'on a fini, hein? Oui, ok. Elle est bon alors, hein? Mais là, ça va un petit peu faire le point de ses pistes comme d'habitude. Ouais. Parce que la Bernard est là aussi. Bernard, comment il est? Bonjour, Claude, est bien? Ça va, où ça va être de riz au feu alors? Ben, 20 mètres de riz au feu parce que comme là, ici, là, Canal Austral, ils mangent pas bon au feu, ils mangent 10. Hein. Au moins, ils apprennent comment ils mangent. Comme le Mouna n'a pas la diabète, voilà. C'est une manière finale. Donc, à chaque fois que nous calculons le nombre de personnes, voilà, et nous comptons 100 grammes par personne. Mm. Si nous avons 10 personnes, c'est 1 kilo. Si nous avons 20 personnes, c'est 2 kilos. Parce qu'on connaît, dans des pays, il ne faut pas jeter. Hein? Il faut mieux se faire les c'est pour ça aujourd'hui, nous mangeons le bras de mouroum, là, alors. Voilà, c'est voilà. Ça. Parce c'est que quand qui mange le bras de mouroum, m'a dit. Voilà. Ouais. Et on profite, là, un petit bigue à Pat Dolores, à Faranaz, à Jacques et à la maman de Dolores. Les bons. D'accord, alors. Ok, mais là, ça va mettre du riz au feu. Parce qu'il a fini d'arriver, comme là, quand ils mettent du riz au feu, là, ils mettent du riz au feu avant. Après, il faut qu'ils mangent après. Au moins, comme ça, ils n'oublient pas. Ben, parce que souvent, des fois, ils oublient. Voilà, ok, alors, les bons. Hein? Ok, Félix, qu'est-ce que tu fais avec ça, ou là? Comment, waouh? Hein? Mimi, waouh. La peste grand. La peste brouillard, soit c'est grand. T'as la même grandeur que où? Le grand que ça? Ben, 20 cm moins que moi. 20 cm moins d'où? Ben, dorade coryphène. Coryphène. Lui, ça t'est bien, c'est qu'il est jaune, mais collé dans l'eau, il est bleu. Et quand on pêche à l'île, il devient vert. Ouais. Et quand on fait cuire, il est plus joli.
Mais il ne connaît pas, moi, Toto va dire nous tout à l'heure. Non, non, crevettes, camarons, langoustes qu'on fait cuire, les olives. Allez, mort, là. Voilà, ben. Ben, t'as l'air d'un gars de son figuier d'une marmite. Les bons. Ça va, il a ça va, ça va, ça va, ça va, il a. Les bons, là, ok. Alors, bien, là, combien de kilos de nard, tout à l'heure? Près 5 kilos. On a 6 kilos et demi exactement. 6 kilos et demi. Non, mais la fine nettoie dans le ventre. Ben oui, là, ben avec ce lavé dans le ventre, il en avait 7 kilos. Hein? C'est joli, hein? Ouais. C'est un caron. Non, c'est un dorade. Enfin, ah, c'est un dorade, la ça? Famille des, la famille des pélagiques. Pélagiques. Hein, ouais, bon, ça, ils voyagent, mon père, ils battent carré par la plus grande mer. C'est des voyageurs, là. C'est des voyageurs, ça. Hein? Et les dorades coryphènes, ça, c'est un poisson qui. Quand on commence trap 1, trap 2, trap 3, ben bah, allez, bon, j'y saute. Bon, vous la réunion, vous avez vu que ça nous mange, hein? Les bon. Vendre, je dis, hein? Jean-Pierre est là, comment est Jean-Pierre? Bonjour Jean-Claude, ça va bien? Ça va où? Okay, ça fait un peu de temps, mon ami, hein? Ah, ouais, c'est toujours plaisir, waouh, oui, c'est cool. C'est juste pour dire, ben écoute, moi, je regarde la télé, même si je n'est pas là, je l'ai du cœur, et hein. Franchement, continuer comme ça. Hein. Et je vois qu'on a d'autres émissions, on a d'autres ça. Et moi, tu es en métropole dernièrement, on reparle encore de Canal Austral. Hein. Les rayonnés, mettent ça matin, midi et soir, Canal Austral. Ah. Il fait un petit coucou à Paul Candavid, qui travaille là-bas comme Hubert, et qui récupère les gens à l'aéroport, tous les rayonnés. Et tous les rayonnés qui sont en métropole, big up, big up. Les bons, ok, alors regarde ça, hein, Massalé Cabri, là, Toto, t'en fais là, tu ne fais bruit seulement, le Massalé Cabri. Toto, on la met, fait bruit avec un peu de sel et pour le silon, non. Hein, le silon que la fait revenir, hein. Voilà, hein, ben voilà, ben la Julie aussi, la privée, aussi, là, quand elle commence, tout. Hein. Salut. Toi, tu as pesé Kaïdu? Ah non, je crois que c'est... Un petit peu, ouais. Ah ouais, ah ouais. Donc, il fallait un carré créole, alors. Ouais, ouais. On peut la faire un petit tartare à côté. Ça fait c'est bon. Allô. Allô. Jean-Pierre, changement de main, alors. Changement de main, mais changement de main, hein. Vous connaissez que... Nous vient ici, il faut le donner un petit coup de main. Donc, voilà, exactement. Quand hein. Il voit ça, ouais. Un joli poisson comme ça, ouais. Donc pas d'un petit coup de main pour nettoyer. Mais bien sûr, bien sûr, Dorade Coryphène. Elle nous a fait un petit peu carré, tout va fait. Voilà. Et après, Bernard, fait un petit tartare à côté parce qu'il est frais, le poisson. Donc, il est dommage que nous mangeons rien qu'en carré. Et puis après, on a de quoi. Hein. Donc, on aura de la place là-dedans pour faire un petit tartare en même temps. Hein. Tartare Dorade Coryphène. Oui, mais on va goûter. Les bons, alors. Mais là, ça va continuer à nettoyer, alors. Okay. Allez, à tout à l'heure. Les bons. Voilà, le masalé, bon, on rajoute les oignons. L'ail, j'ai un jambon piment. Ouais, comme d'habitude. Ah, comme d'habitude. Hein? Ça, les nasses écailles. Oui, les nasses écailles, mais petits écailles, pas trop gros. Ouais, mais. Il n'a pas besoin de fourchette pour aller aux écailles. Ouais, mais. Avec un couteau, il gagne. Hein? Bien sûr. Ben voilà. Allez, d'allons-y. Ok, d'allons-y. Remplace. Hein? Parce que ça, c'est travail malo, ça, des fois. Hein? Et toi, les poissons. Hein? Non, mais il n'y a pas trop. Et puis, le poisson est joli. Donc, ouais. Bon, ça te rappelle une affaire, Toto, ça fait pour un instant. Hein? Surprise. Bon. Ok. On va tout de suite dedans. Et où la tourner? Dans le massalé. Déjà, c'est couleur. Là, il est aux couleurs. Ouais. Mais bon. Et bien sûr, tomate tout de suite après. C'est pas bon, ok. Un petit peu de pas bon, hein? Bon, après le massalé et la pile secret chez Canal Austral, hein. Bon coucou, alors oui, j'ai vu le poisson. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme poisson du coup? Dorade Coryphène. Voilà, Dorade Coryphène, ben, c'est un gros dorade. Ouais, alors un petit peu en carré, puis un petit peu au tartare, parce qu'il est très frais le poisson. Ouais, donc autant profiter. Magnifique. Alors, où veut tenir au moins faire une photo avec vous? Non, ça ira, merci. Il va laisser ça pour tout à l'heure. Voilà, ça pour tout à l'heure. Voilà. On m'a fini, moi, je vais faire une photo avec que tout à l'heure. Tout le monde a fait une photo avec là. Viens, rajoute ma salée là-dedans. Toto, maintenant le massalé dedans, hein, la fine d'ail sur couleur là, hein, le massalé cabri. Ouais. Hein, la fine, c'est le massalé cabri comme là. Non, c'est bon, je pense qu'on va voir un petit peu maintenant comment ça se passe. Voilà. N'est-ce pas, Toto? Alors, est-ce qu'on met tout une première fois ou on rajoute un petit peu après, Toto, le massalé? Oh, bien, moi, je vais mettre un coup. On met une seule fois et après on rajoute plus. Bon, on l'a été dit de façon très directe et très claire, mais nous l'a bien compris, c'est qu'une seule fois. Voilà. Voilà. Regarde ce couleur qu'on va finir bon là. Hein? Fais un gros plan là. Voilà. On fait un gros plan encore. Voilà.
Ben, elle est bon, hein, il reste voilà. Cuire après. Parce que ça, il faut faire cuire ça, hein. Exactement. Ah ouais, voilà. Mettre de l'eau dedans, il fait cuit. Hein, Toto, il met de l'eau dedans, après, il fait cuit. Mais de l'eau, regarde, il met de l'eau, lui. Toto, voilà. Voilà. Mais c'est bon, tout ça, là. Dans la joie et la bonne humeur, Toto. Avec le sourire, Toto. Il me fait sourire, tu pas, ouais. Et voilà, Toto. Karine est bon. Hein? Ça, c'est un masala express. Toto, un instant, il bat ça. Deux, voilà. Trois mouvements. Le plus long, c'est vers les épices. Ouais, c'est ça. Et bon, ok. Comment là, il faut mettre lunettes noires pour qu'il nettoie le poisson, hein? Mais au moins, nous, il y a les écailles. Ouais, ouais. Parce qu'on n'est pas si nalbon avec, vu qu'il nettoie le poisson. Hein? Bon, ça va, ça. Bien, 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 il vient. Les bons. Patrick, comment il est? Ça va où? Ben, on y garde un coup de poisson, tu auras de corifène. Costaud. Ben, ouais. Couteau, coupe bien. Champion. Oui. Et bon. Patrick, tu fais un peu le grain tout de suite alors? Oui, ben. Les haricots rouges. Hein? Toto, les haricots rouges, ben même, trop pas, hein? Voilà. Sel, poivre, oignons, le thym et l'ail. Hein? D'après le secret pour un curry, pour assaisonner le grain. Hein? Tout le monde connaît. Tout le monde connaît ça. Tellement la fine répéter. Ouais? Et voilà le grain dedans. Et là, tu analyses. Il va être bon. On ne met pas de tomates dedans pour assaisonner Le grain hein. Ah non. Pas. Moi, des fois, je mets un petit poivre, mettre un petit tomate dedans. Non, 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 Dorade corifène. Johnny, alors moi, il regarde Toto, mais il voit Toto qui maîtrise ça avec adresse, comme dit malade, il n'a pas perdu la main. Il hein. Comme ça, il dit ça. Ah, oui. Ouais. Pas perdu la main, le Toto. Hein. La tête pousse à la pire. Mange tes brins gel là, Jean-Pierre, mets moins gel dedans. Allô, on a bataillé. Ouais, ben. Bon, Julie, viens, coupe là. Allez, coupe là. Hein? Bon. Coupe. Coupe pas. Si. Écoute, tu fais la tête là où? Ben, je pense que la deuxième, c'est par la tête. Hein. Ah ouais, c'est pareil, c'est bon, elle m'a salé la tête. Voilà, elle m'a salé la tête. Ouais, ouais. Après, et quand même, m'a salé la tête, tu mets un petit morceau de la gel dedans là aussi. Ben, on peut tout la faire là. Donc, ça, et après, ben, écoute, sinon, on met dans le carré. Ouais. Dans le cochon, tout est bon. Dans la dorade corifène, tout est bon aussi. Tout alors, est bon aussi, tout est bon. Hein? Bon. Hein? En tout cas, j'ai appelé bien Julie là. Hein. Sur la métropole, j'ai fait un petit coup de lunettes. Ouais. Sur la métropole, les gens, ils vont. Ce qu'on fait, hein, parce que quand il y a à travers Canal Austral, tu vois ce qui se passe. Ouais. Par contre, Julie aussi, elle est bien aimée. Ah oui, il dit voilà, c'est une représentation de la Réunion, typique. Et donc, c'est le fleuron un peu. Et en tout cas, Michel, un gros bisou à toutes les personnes de Métropole qui suivent à nous et même ailleurs aussi. C'est toujours un plaisir quand vous êtes bien, vous êtes avec nous. T'as un petit mot qui fait toujours plaisir, donc merci beaucoup. Ouais, ouais. Voilà, il fait toujours plaisir. Ouais, et à l'occasion, ben, quand vous êtes bien à la Réunion, ben, nous attendons à ça tout simplement. N'hésite pas. N'hésite pas de venir, hein, c'est la bienvenue. Hein. Voilà. Voilà. Les bons, regarde. Ouais, bah, Canal Austral. Ouais, ben, il a son goûter, pareil. Petit cocktail, voilà, sans alcool. Hein. Bah, oui, au jus d'orange, au jus de citron. Ça te requinque. Ah bon? Excellent. On sent bien le citron. Hein. Non, quand c'est Berna qui fait, on dit excellente. Excellente. Voilà, voilà. Eh, Berna? Excellente. Excellente. Muchas voilà. Gracias. Les bons. Ok. Bernard. Avec ça, ça fait un petit tartare ou alors? Ça rentre au couteau aussi. Ça fait tartare. La marmite qui crépite. La marmite qui crépite et la marmite qui chante. Ah, d'ailleurs, il y a un petit coucou à Benji, le jardinier.
de Saint-André. Benji, le jardin de Saint-André, mais il est vrai synonyme. Donc, Azali appelle Ali Benji. Ah bon. Gros bisous à Benji, bon, le bon. Jardinier aux mains. Comment on dit quand quelqu'un a la main verte, c'est que il jardine bien. Bah, va avoir la main verte. Voilà. Là, bon. Donc, il a la main verte et continue comme ça. Monsieur Benji. Bon, voilà. C'est bon. Partout, c'est partout. Des oignons, de sel dedans le mettre, un petit peu de poivre, vous voulez le mettre au fond? Non, on ne met pas poivre parce que la piment dans la reine. Bon, Julie, ça c'est pas un curry poisson, c'est un curry piment. Pourquoi tu dis ça? Mais regarde la quantité dedans. Avec Toto, pas de chichi, de l'huile de cresson, de sel dedans, oignons dedans, l'ail dedans, gingembre dedans. Gingembre aussi? Ah bon, on l'oublie, gingembre. Et l'ail aussi. Et piment surtout dedans. Et le piment qui donne du goût. Voilà, et le thym que Jean-Pierre t'a fait l'autre côté là-bas, le thym? Ah, le thym, dis-toi, t'oublies pas le thym aussi? Voilà. Là, ça t'est étalé tout de suite, là, hein? On peut pas qu'on mette gingembre dedans? Ah, fini. Ah, bon, d'accord, et le thym, là, Jean-Pierre? C'est à vous. Il l'avait. Allez, lâche dedans, comme ça. Et tout dedans. Et là, on fait une sauce comme ça, là. Hein? Le secret, là, machine compris, moi, c'est qu'il faut de l'huile. Hein? Si après de l'huile, il n'a pas fait ça. Comme ça non, hein? Mais après, il tire. Il a tiré de l'huile. Hein? Julie, pas de sushi, pas de souci avec lui. Hein? Pas de souci. Non, non, pas de souci. Hein? Pas de souci. Hein? Non, non, elle trappe de l'huile, elle a tout dedans, après les bons. Hein? C'est à la Toto et le résultat est toujours excellent. Voilà, voilà. Patrick amène le tomate là-bas, il prépare la tomate. Et là, le tomate, ça arrive dedans. Donc, la sauce, c'est important. Ben, exactement. Et les épices, hein, sauce, hein. Et les épices, bien entendu. Bien sûr, et le piment qui ravive toute bien cette saveur. Bien sûr, hein. Ouais. Hein. Encore un petit peu de safran, on a dit comme ça, que les pas assez jaunes encore. Hein. Parce qu'il faut les jaunes, Lisa. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Il faut que les jaunes. Hein. Et là, le tomate tout de suite. Hein. Et là, un bon petit peu de tomate, mon vraiment massalé à côté. Enfin, pas trop, trop. Hein? Voilà. Et là, écoute, voilà, c'est tomate cuit. Hein? Et de l'autre côté, Patrick qui vérifie que le masala est cuit. Donc, un petit peu de temps, là. Hein? Donc, un petit peu de temps, là. Hein? Bon, le masala est cuit, hein? Oui. Donc, on dure, ça goûte. Goûte, 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 goûte. Et là, le tomate, il enlève Ali. Il crase Ali. Parce qu'il a des hauts comme ça, il ne fait pas avec un riz de tomate entier encore dedans. Hein. Il ne pose jamais le poisson sur le tomate entier. Il hein. Faut écraser. Je dis, attends là. Hein. Il faut écraser le tomate pour que le tomate est cuit dedans. Hein. Il ne faut pas qu'il ait comme un potomac dans le coin plus long, comme dirait l'autre là. Hein? Je n'aime pas ce terme. Tu n'aimes pas ce terme? C'est pas gentil, c'est pas gentil. Hein? Ben, les mots, Wadjali. Quoi? Ben, midi là. Y a... Non, Toto, j'ai rien dit. Froisse pas lila, hein? Midi là, pour préparer le poisson. Froisse pas lila. Ah ouais, froisse pas lila. Là, pour pas. Pas Malo, besoin d'affaire? Ça va pour l'instant? Avant, ouais, donc un peu d'oignon là. Regarde, là, quel peu d'oignon là. C'est plus d'oignon. C'est plus d'oignon. Et oublie pas que le. Ça va, il vient. La petite surprise à l'instant. Hein. Et bon. La surprise, on ne dira pas à la télé. C'est quoi? Hein? Didi? Dis pas. Je dis pas. Je dis pas. Là, dis t'as l'air peut-être. De quoi? Quelle surprise? La surprise. Ah ben écoute, une surprise en général, le mot l'indique. Hein. Ça se dit pas quoi? Non, un secret, il dit pas. Une surprise, il peut dire. C'est une surprise, il y a bon un moment. Temps, voilà, il y a un temps pour tout, donc voilà. Le secret, non, hein, secret, dis pas. Hein. Ben, chacun son jardin voilà, secret. Voilà, hein. voilà. Donc, le poisson, les rajouter dans le dorade coryphène que nous l'avons vu depuis tout à l'heure, nettoyé par Jean-Pierre. Jean-Pierre ou Régis? Les deux, voilà. Régis pour quelques personnes, Jean-Pierre pour d'autres. Hein. En tout cas, Antoine, hein, c'est un plaisiration. Hein. C'est un plaisiration. Plaisiration partagée. L'autre côté, là, c'est plaisiration PHA. Ici, c'est plaisiration. Hein. Avec plaisiration. Il existe sans plaisiration. Ah, si. Tout comme la modération, n'est-ce pas? C'est voilà. Ça, la plaisiration. Là, tu vas le lier un petit coup, après il mélange bien et après il tourne plus. Quoique c'est un poisson, il est quand même assez dur, lui. Hein. Hein. Un petit peu de cuisson, il faut lier. Hein.
comme c'est fait partie des carons, par exemple. Attention, attention, voilà. Il y a du thon aussi, hein. Du thon, non, le thon est moins dur que les carons, les dorades. Ouais, d'accord. Ouais. C'est quelquefois quand tu ramènes du thon. Voilà. Bon, Mila Saou finit la cuisson. Mila Saou a un petit coup Bernard qui est en train de nous faire un tartare de dorade corifène. De dorade. Et bon. Alors Bernard, au tartare, il y a bon ça. Avant, il fait à ma manière. C'est une petite bon surprise. Chacun son affaire. Chacun son secret. Chacun son secret, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une surprise, c'est un secret. Hein. Non, chacun, j'ai dit, chacun a droit à son jardin secret. Ah bon oui. D'accord, d'accord. Et chacun cultive son jardin aussi. Hein. Il faut ouais. C'est important, les ça. Là-dedans, c'est quoi, ça? En fait, c'est du gingembre, mm-hmm, un petit peu de piment. Ouais. Avec un petit gousla, un petit atla, un petit gousla, ouais. Avec un petit peu de jugement vert, ouais. Et un petit peu de cotomili. Cotomili. Ça dit coriandre là. Mais cotomili. Voilà. Et il y a un petit peu de sel aussi, non, pour pas mettre trop de sel dans les poissons, parce qu'ils sont dans la mer, on peut pas mettre trop de sel. Béana, arrête des bêtises, s'il te plaît, hein. Béana, c'est l'art de dire des bêtises. Retentit, elle dit qu'il ne faut pas mettre trop de sal dans le poisson parce que le poisson se frotte dans la mer. C'est pas mon âge, hein, je dirais. Ouais, pas ouais. Vous connaissez pourquoi la mer est salée? Parce que la morue est vite aussi, oui. Bien sûr. Voilà. Là, voilà. Mais hein, c'est pas une bêtise, c'est ironique. Voilà, c'est de l'ironie. Voilà, c'est de l'ironie. Voilà, c'est de l'ironie. Voilà. Là, là, allez, là, on tape un petit. Autant de coups la surprise ou là hein. Boudin blanc. Noël n'a pas encore la fin de gagne boudin blanc. Hein? Ah oui. Noël n'a pas encore fini avec boudin blanc. Boudin blanc. Hein? Oui, oui, c'est boudin blanc, c'est pour Noël, ça. Ça, ça l'est exceptionnel, le boudin blanc, là, mais ah, c'est, ouais, tu trouves pas ça? Ouais, 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 il trouve pas partout, oui, ça, boudin blanc, comme ça. Hein? Tout le monde. Ah oui. Hein? C'est boudin blanc. Fabriqué maison, hein? Ils font un petit peu de caloupilé dans le massalé cabri, hein? C'est ça, hein? Hein? On met pas bon, on met à la fin toujours. Ouais, mais il va respirer mieux. Ah ouais, il va respirer mieux. Voilà. Et le poisson là, il avance aussi. Et puis, à où cuit poisson, toujours découvert, hein. Jamais avec couverture, hein. Chacun son. Tout sur l'audio, ça va. Chacun sa méthode. Chacun sa méthode. Mais bon. C'est cuit, Patrick. C'est cuit, hein. C'est cuit, Patrick. Oui. Bon, ben le massalé, il est cuit aussi. Là, on le fait préparer ou pas, hein. Ouais, là, il s'est mélangé, d'accord. Là, on mélange, allez. Donc, les oignons d'abord hachés finement. Hein, oui. Hein, en Juliette. En Juliette. Et en Julienne. En Julienne. En Julienne ou en Juliette? Je sais plus. En Julienne peut-être. Piment, ben, piment avec gingembre. Vous mettez un petit peu l'ail aussi dedans? Non. L'ail, oui, oui. L'ail un petit peu, l'ail, gingembre, piment. Et puis après, le jus de citron par-dessus. Hein? Là, parce que là, il va. Ben, il ne blanchit pas beaucoup parce que c'est le thon qui est rouge quand on met du citron tout de suite, là, qui blanchit. Et moi, j'adore. Et puis, comme c'est une viande un peu plus. Un petit peu d'huile d'olive. Hein? Un petit peu d'huile d'olive, pas beaucoup, voilà. Et surtout des fleurs de sel. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Fleurs de sel, hein. Ça, tu aimes ça. Hein? Ah, la fleur de sel dans ton tartare. Mais un tartare sans fleur de sel, elle n'est pas bon. C'est pas un tartare. C'est pas un tartare. Et voilà, c'est vrai que. Voilà. Bon, Bernard, tu as un petit bouquet tombé. Mais c'est pas grave le petit bout. Non, non, mais c'est pas ça, il est remettre dedans. Mais voilà. Bon, allez, mettre plus dedans, Bernard. Toi aussi, tu as un galet, comme on dit. Tu as un galet pour le tartare. C'est super bien. Un galet pour le tartare. Ouais, tu fais ça c'est super bien. Qu'est-ce que ça dit, mener un galet? Quel pour ça galet? Tu connais que son galet, mais. Lina le galet. Allez, voilà. Hein? Et après le petit tout vert, après que tu as mis les oignons verts par-dessus, après il est ouais, bon, hein. Ouais, ouais. S'il y en a de sel, il y en a de poivre, mais bon, hein. Non, il y en a tout de même. Il y en a tout, hein. Vous voulez mettre du poivre aussi dedans, un petit peu? Un petit peu. Un petit peu, il faut saler pour après assaisonner, bien sûr, hein. Malo, ouais, vous en avez fait une photo? Oui. Malo, c'est le roi des photos. Il aime les photos. Ah, il aime les photos. Oui, pareil, chinois, hein, quand il y a photos, pareil, hein, va voir. Ah, ouais.
Ça, le soir, comment ça et voilà. Ah oui, avec ça. Parce que dans un jour maintenant. Et on peut rajouter des capes à l'intérieur. Des capes. Des capes, c'est quoi? C'est un petit peu comme cornichon, mais dit rond au lieu de tête allongée. Ah d'accord, on met des capes dedans alors. Ouais, des petits capes dedans, ça c'est. Ah oui, oui. Mais à moi, comme ça, m'y trouve, elle est juste fabuleuse. Oui, oui, la peau, un peu machin. Ouais, là, dès qu'on a mis le citron dedans, il a changé de couleur. Voilà. Donc le soir, faire ça avec une petite tranche de pain, nous garde le ventre bien. À faire ça. Mettre beaucoup de gingembre le soir dedans. Beaucoup de gingembre le soir dedans. Oui, bah oui. Bon. C'est bon pour la santé. Voilà, tout à fait. Alors, comment tu te trouves? C'est bon. C'est bon. Ah oui. C'est bon. Je me dirais pas des bataos, mais. Bon. Je vais goûter, moi. Attention, t'as un concurrent là. Super. Non, mais c'est le piment qu'il faut éviter dedans parce que c'est lui qui gâte le goût du c'est poisson. C'est bon. Hein. Vous trouvez plus le goût du poisson avec le piment après. Excellent. 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 Voilà. Voilà. Très bien. Hein? Même non glacé, on peut manger. Hein? Parce que d'habitude, ouais, là, faut bien les frais, il faut les glacer. Ouais. Non, mais là, les frais, ça se mange aisément. Là, très frais. Parce que c'est frais. Voilà. C'est un poisson qui est frais. Bon. C'est bon? Ouais, bon. Bon. Tout en haut. C'est bon? C'est oublié. Non, la prière. Bien, bien prière. Et là, faire prière. Ah, on a l'air bon, hein? On a l'air bon, hein? Là, il m'y voit rien qu'un boîte sardine Robert. Hein, et là, il faut m'y attendre le bas de Mouroum. Hein, mais vous connaissez bien Calix, comment elle est. Hein. Ça m'a carré, mais ça cause un peu. Ah, ou même ça, dis-moi ça, non? Ah, vous m'avez dit, vous m'avez dit rien, moi? Non, mais ma, ou la dis-moi ça. Elle dit Calix, ça, là, là. Hein. Quand il y a une affaire pour feu, là, il faut s'en battre un peu carré. Il faut savoir un coup, ça cause un peu camarade avant. Voilà. Non. Alors, autant qu'on convient, je dis. C'est pas ça. Eh, ben ça. Et il y a un peu Brad Mouroum avec sardine Robert, mais fait là. Ben, non, moi, c'est Calix, même fait le sardine avec le Brad Mouroum. Ben oui. C'est moi, là, comme il garde la quantité de la sardine, là. Mais comment c'est sardine, Brad Mouroum et Brad Mouroum sardine. Ah, que j'ai dit. Brad Mouroum sardine, à mon avis. Ah, l'équilibré, l'équilibré. L'équilibré, là. L'équilibré. Dans le feu, tout est prêt, là. C'est mon Bernard, j'ai mal fait. Laisse aller. Ah bon? Ben, c'est Bernard, là, dire. Hein? La main de Gaïa sur lui. Ah, parce qu'on l'a pas tablié. Il n'y a pas tablié, c'est pour ça. Il n'y a pas tablié, mais ça tourne comme ça. Mais moi, Bernard, dis-moi, laisse, il va faire. Mais bon, laisse Bernard faire. Bon, Bernard va faire. Bernard, il va mettre une grande mouroum dans de l'eau. Hein? Bernard décide de faire. Non, ben, il était censé faire mal. En plus, non, Calix devait faire. C'est pas grave, ça. Et ici, il ne bataille pas, Marion. Non, il ne bataille pas. Il ne bataille pas. Ici, il a dit, ne fais pas la tête. Elle a bien dit que Calix a fini trop camarade, là. Hein? Mon noir. Non, mais les yeux, ils se misent. Les yeux, ils se misent, c'est ça. Ça, pas n'importe qui sait, mais ils se misent comment? Ah bon? Ça y est, il y a un monde qui a 72 ans, 73 ans, mais ils se misent comme ça. Eh, il est pas quoi, couillon, il a bien là. Il a dit comme ça, il donne pas que l'argent de télé. C'est son mise la poêle, la marque, la poêle là. Calix, on a une jolie chemise pour l'hériter. Nous, nous ne pouvons pas mettre ça tout de suite. Il faut nous arriver à cette nage, mettre une chemise comme ça. Regarde, je t'entends moi, la personne, c'était nage, mettre une chemise comme ça. Attention, elle est tigène. Mais Calix, mets la chemise comme ça, moi. Oui. Est-ce que pour autant, mettre une chemise comme ça? Mais c'est un nage. Hé, nous n'en tirage. Nous n'en tirage. Bon, ben, Mila, ça vous fait le petit sardine Robert avec Brad, la petite Mais écoute, même si Calix ne fait pas. Sardine au Brad. Ah, ben oui, mais même si Calix ne fait pas, ben il va assister quand même. Migdali, fais pas sa sardine à côté. Mélange aïe là-dedans parce que là-bas, nous avons notre poisson pour goûter. Ben, Toto, il fait un bon poisson. C'est-à-dire quoi? Mettre pas sardine dedans? Non, mettre sardine dedans, mais fais pas à côté. Mettez-y. La poisson là-bas? Non. Bon, mais on ne comprend pas trop, mais n'est pas grave, ma comprendre t'as l'air. On a dit mettre sardine dans le bread mouroum. Voilà. Bread médaille. Mettre pas safran. Mais mettre sardine dedans. Ils ont dit, ma TV fait l'assassin, ma TV bouffe safran là-dedans. Mais ils ont pas le vol, il va retourner dans sa tombe. Oui, comme ça, Nawali. Je fais polémique encore. Les bon, les bon, les bon. Hé, Gabana, t'as nettoyé, t'as le mettre propre partout là, là. Hein? Dès que la fille met propre tout de suite, mais là, quand il s'est assassiné, qu'est-ce qui est arrivé? Bonne manœuvre pour nettoyer. Bonne manœuvre, t'as nettoyé? Oui, parce que ça travaille mal, ça, généralement. Hein? Ah,
pollute. Ça fait vous préparez le sardine, hein. Deux boîtes. Ouais. Ça fait deux boîtes, hein. Ouais, deux. Na trois par boîte. Ouais, na trois. Hein, na trois. Non, non, na une, na quatre, na une, na trois. Ah bon? C'est bizarre. Oui. Ouais, mais dans le boîte sardine, tu fais plus gros. Ben, des fois, des fois. Hein? Peut-être. Hein? Des fois, il ne peut pas mettre 3,5, hein, donc il met 4, il arrondit. Voilà. Hein? Donc, on a les sardines à côté, un petit peu de tomates, mais très peu, des oignons, et puis de l'ail, du gingembre et du sel. Hein? Et là, on a les brèdes à côté, où ça fait un petit fricassé de brèdes, de mouroum avec ce machin. Et la question qui tue, ils mettent jamais, mais jamais du thym dedans. Hein? Ah non! Ah non! Je jamais connu, par contre. Hein? Là, il fait la chasse. Mais ils ne critiquent pas, voilà, mais jamais connu. Peut-être ça, ils mettent, peut-être c'est tout. Ça, quand ils font la cuisine, des fois, comme ça, tu connais, je l'ai appris, mais à moins le thym, d'accord. Hein? Non, parce que le thym, il capte confondre après avec les feuilles de. Voilà, le thym. T'as mis plaisant, c'est pas vrai du tout. Hein? Mais bon, ok. Ça, c'est beau pour la santé, ça. Hein? Créole, il connaît. Hein? Faut tout, regarde, tout malban, un pied, bois de mouroum, nous, aux autres portes. Hein? Mais il y a malban? Non, on a créole aussi. Non, mais à un moment, tu es à Mayotte, donc partout, il y a des voilà. Mouroum. Hein? Parce qu'en fait, là. Hein? Les consomment ça aussi. Mais bien sûr. Oui. Vous connaissez, après l'Aisne, c'est l'Afrique qui a consommé le plus de moringa. Hein? D'accord. Non, parce que nous, ici, on appelle aussi bras de médaille, et c'est vrai que quand même, par exemple. Il y a beaucoup de noms, ça. Ben, nous, on aime bien aussi faire le bras de médaille aussi. Ouais. C'est très bon. Moi, ouais. Mathieu, mange ça avant quand même, monde. Bon. Voilà, ben nous aussi pareil. Hein? Bois de médaille, c'est ça? Bois de médaille, c'est ça? Ben nous, tu prends le fèche chez mes mères. À moi, le soir, on connaît comment il fait bouillir de l'eau, il prend un poignet comme ça, mettre dans l'eau. Voilà. Après, il boit ou dort une nuit tranquille. Voilà. Donc, c'est le produit miracle, la plante miracle. Hein? Ben, tu peux le prendre en tisane, tu peux le prendre en brette comme ça, c'est très bon pour la santé. Ouais. Un petit peu d'huile dans la marmite. Hein? Et là, on commence. D'accord? C'est ça, on va commencer. On y va. Les oignons. Là, avec le l'ail, le gingembre, le sel dedans, hein. Ah, le sel, c'est dedans mélangé avec, hein. Ouais. L'ail, le gingembre, un petit peu de tomate. Comme c'est un peu comme fricassé, hein, fricassé. Oui, quand même fricassé de grains. Un fricassé bread, voilà, un fricassé bread. Voilà, eh bien, non, un fricassé bread. Voilà. Hein, poivre, pas mettre, non. Ah, non. Ils ne mettent pas poivre dans le bread. Et un peu mettre, un peu mettre pas. Ouais. À éviter, parce que moi, s'ils mettent, genre, ils mettent l'ail, ils mettent pas poivre. Ouais, ouais, un peu mettre pas. Ne prononce pas. Ah, prononce pas. Ouais. Après, ça casse son goût. Oui, bien sûr. Chacun embrasse son bonhomme à sa façon. Exactement. Chacun embrasse son bonhomme à sa façon. Julie l'a dit où là? Bonhomme? Chacun y embrasse son bonhomme à sa façon. Voilà. Bon, après les brettes dedans, tu peux, ça descend là, hein, ça prend de la vapeur, et avec cette vapeur là, ça descend, hein, ça perd du poids. Ah, et ça tassé. Ça tassé, hein? Ça tassé. Il va se tasser. Voilà. Ouais. Il faut que les choses se tassent. Il faut que les choses se fassent aussi, se font. Aussi. Comment hein? Ça? Ah, Nani, comment tu vas briller là-bas? Nous rentrons à briller, allez. Hein? Mon montage, ça finit. Hein? Les bons, là-bas. Et vous connaissez l'expression jette savoir. Les pauses, jette les pauses. Ouais, jette les pauses. L'expression savoir. Hein? Ouais. Être, faire et se taire. Moi, je connais juste savoir être et savoir faire. Et se taire, parce que quand on connaît toute la haine, il y a beaucoup de choses, il ne faut pas le dire. Ah bon, tu connais plein de choses que tu dis pas? Mais ça, c'est une expression, arrête de prendre ah, comme d'accord. Ça. Non, mais je pourquoi le dire défensif automatiquement? Mais c'est pas de la défensive en fait, parce que vous dites un truc dont j'aimerais savoir en fait. Mais c'est une expression. Oh, ben si ce n'est qu'une expression, écoute. Bon, bien là. 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 J'ai vu là. Ouais. Bon, voilà, donc là, oui. On a fait tranquille là. Et tu descends là, hein? Il est dommage, demi-salé. C'est ça? Là, il est dommage, il veut dire, il est finatant. Soumak, quel dommage. Eh si, il peut dire comme ça, n'importe dommage, quoi. Dommage, demi-salé. Pourquoi ils appellent ça dommage même? Dommage collatéral. Voilà. Donc, on va mettre sardine. Ben, le bon, mettre sardine. Le bon. Et ça, il fait ça comme ça, comme à le mort. Non, mais vivant, pour faire ça pour nous. Non, mais quand le mort finalé, la famille reste derrière. Oui, mais ça là. Il fait ça. Parce que le bois de Mouroum là. Après, bonne de monde est fatigué, il a fait un jour, deux jours le veille, il a besoin de dormir. Ah, mais de mon room, il a fait deux. Ah, voilà. Il a fait un jour pour
Il apaise toutes les émotions. Toutes les émotions fortes et tout ça. Voilà. Il apaise les émotions fortes. D'accord. Effectivement. Et là, on crase, il y a hein, le sardine. Il hein. Faut raser même. Hein. Ouais. De toute façon, un sardine en boîte, il est fait pour raser. Ça. Ouais. Si vous ne pouvez pas craser, il y a là, il faut mettre une pellicule dessus, une pellicule. Mais là, pellicule tout à l'heure. Il y a pellicule. J'ai ma pellicule. Faut tanali. Pané. Tané. Non, tané, c'est la peau. Pané. Pané. Quand tu panes quoi? Tu panes ça? Non, si tu veux rester entier le sardine, il faut paner. Hein? Et ça pané. Veut dire quoi quand pané. Tu panes? Pané, ben, on fait une. Un poisson pané, par exemple. On met les entier. Ah. Avec de la farine, de l'eau. Ah, d'accord. On met les entier, là. Sûrement là, le dommage, Benazet de l'huile sardine. Ah, mettre pas dedans, non? La poudre d'oméga 3. Ouais. Hein? Pas beaucoup d'oméga. Faut que tu laisses un petit peu, mais c'est bon l'oméga 3 des fois pour la mémoire, pour le cerveau, Nadou. Non, mais l'oméga n'est pas trop bon parce que c'est la dernière lettre de l'alphabet. Ah, on peut y voir en plus. L'oméga. Vous voulez mieux comme tu peux dire? L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Moi, quand on achète une voiture, on gagne le dernier lettre de l'alphabet. Comment? Moi, tu veux méga là, moi là-dedans? Tu veux oméga là-dedans? Allez, attrape un avis de méga. Non, Kalik, ça dit, il n'y avait pas un oméga, il y avait un méga dedans. Il y avait un méga. Donc il faut les gros. Parce que méga, c'est méga costaud. Un méga dolon. Un méga dron. Mégalodron. Alors, attends, nous demandons Kalik, s'il te plaît. Kalik, d'après vous, c'est quoi un mégalodron? Dit-il tout excité. Le dron, les petits livres. Quand il dit dron, le mégalodron. On l'a pas regardé à cinéma. Mais le mégalodron. Non, mais pas vu le film là, moi. Aïe, 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 mégalodon. Mégalodon. Voilà. Alors, c'est quoi un mégalodon? Il est gros don. Ah, voilà. Il y a beaucoup de dons. Exactement. Voilà. C'était requin à voir, c'était pas mal. Voilà. C'est le plus gros requin qui existe. C'est la mer, c'est la plage. Dans la préhistoire, c'est le mégalodon. C'est un requin préhistorique. Voilà. Qui sort de la mer, là, il sort de la plage, table de Mounimons. Allez. Ça rétrique. Bon appétit. Voilà, bon appétit. Les bons, il a fini alors. Une tente de feu. Ouais, bah, allez, bon, bon appétit. Allez, goûte à nous là. Allez, bon, goûte à nous. Allez, la prochaine. Allez, ben, on a bien dormi à ce moment-là. Alors, donc, on dort bien ce soir parce qu'on a mangé le bread mouron. On sera apaisé. Pampé. Voilà. Ah non, on m'a pas dit. Non, mais je ne connais pas ce terme d'où ça sort. Non, mais apaisé. Quand ils disent dort en paix, vous dites ça. Quand ils dorment en paix, ils veulent dire que quelqu'un va mourir. Donc, on va éviter ce terme-là. On va juste dire apaisé. Voilà. Voilà, on va dormir sereinement. Les bons. Voilà. Allez. À plus tard. Et on a fini et le repas est juste magnifique, merveilleux. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Parce que nous, on va se régaler, hein, n'est-ce pas? Ok, merci bien. Retour la semaine prochaine. Bien, oui, merci bien, Jean-Pierre, à toute l'équipe et à la semaine prochaine avec plaisir. La Mila, ça ouvre un petit peu Jean-Pierre. Ben, bon, ok. Merci beaucoup tout le monde. Tout le monde est là. Hein? Nous retrouvons une semaine prochaine. Okay. Pour de nouvelles émissions. Merci Johnny Guindu. Non, pas Guindu. Grindu. Ouais, voilà, quand on trouve camion dans le chemin, là, hein, pense à lui. Allez, bon. Allez, nous retrouvons bientôt. Merci Richard. Salut, merci.